Bonjour, ici Justin pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Maman des fantômes ont volé nos cadeaux, version française de Home Alone The Holiday Heist en format DVD. Réalisé par Peter Hewitt, le film est en vedette Christian Martin, Jodel Furland, Malcolm McDowell, Eddie Steeples, Debbie Mazar et Edward Asner. Distribué par 20th Century Fox, le DVD est disponible en magasin depuis le 29 octobre 2013. Finn Baxter, un jeune garçon de 10 ans, croit que sa nouvelle demeure dans le Maine est hantée. Un trio de voleurs cherche à dérober un tableau de grande valeur dissimulé dans une pièce secrète par le propriétaire précédent. Seul à la maison avec sa grande sœur, Finn met en place un système élaboré de gadgets sophistiqués et de pièges ingénieux pour protéger sa maison contre l'invasion de ces cambrioleurs maladroits. Quand il y en a plus, il y en a encore. Trop, c'est comme pas assez. Ce n'est pas fini tant que c'est fini. Tous ces slogans semblent se rapporter parfaitement à la série des Home Alone. C'est à mon grand étonnement que j'ai appris que cette série, qui fut démarrée il y a maintenant plus de 20 ans par Macaulay Culkin, soit maintenant rendue à un cinquième volet. Kevin McAllister, héros des deux premiers films, cède sa place à Finn Baxter, un jeune garçon accro aux jeux vidéo, acariâtre et terrorisé du monde réel. Il ne sort jamais dehors, préférant voyager dans des mondes fantastiques grâce à sa console de jeu. Bien qu'on ne ressemble plus l'esprit des films du défunt John Hughes et du réalisateur Chris Columbus, cela ne veut pas dire que Home Alone 5 est un total navet. Certes, le scénario est tapissé de clichés et de blagues construites et déconstruites depuis des lunes, mais ce petit film fait pour la télé trouvera sans doute preneur chez les enfants. Le personnage principal se fond dans le moule de certains jeunes qui sont branchés en permanence devant leur console de jeu, à défaut de rencontrer des gens de leur âge et de tisser des liens avec des humains réels, au lieu de personnes rencontrées sur des réseaux de jeux en ligne, ce qui est d'ailleurs l'un des fils conducteurs du récit. Malgré cette petite critique sociale des jeunes souvent un peu trop invraisemblable, le film n'en demeure pas moins grotesque sous bien des angles. Le petit Finn, qui ne semble connaître que les univers virtuels, se débrouille pourtant très bien, et ce très rapidement, dans l'élaboration de pièges et attrapes pour stopper les malfrats à pénétrer chez lui, mené par nul autre que Malcolm McDowell, ce cher Alex du film L'Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Celui qui mène aujourd'hui sa barque dans des productions de série B démontre une autre facette de son métier d'acteur en étant dans une comédie pour enfants. Christian Martin, qui interprète le jeune Flynn, manque certes de charisme si on le compare à Culkin, mais le jeune acteur n'en demeure pas moins crédible dans son rôle. Le scénario suit la même formule que dans les deux premiers, on y remarque d'ailleurs quelques clins d'œil, soit un petit garçon qui, seul dans sa grande maison, doit se protéger contre des méchants qui veulent lui dérober ses biens. Une piste en anglais Dolby 5.1 et une piste en français sont offertes avec des sous-titres en anglais pour malentendants et espagnol. L'image est présentée en format panoramique 1.78 et aucun supplément n'est offert sur le disque. Avec des rebondissements prévisibles et de la comédie burlesque qui réussit à faire rire à quelques moments, Home Alone The Holiday Heist n'est pas aussi pire que certains pourraient le prédire. Cependant, ce petit film télé est très loin de nous faire oublier les grands classiques du temps des fêtes qui étaient les deux premiers classiques intemporels de la série que je vous recommande sans plus tarder. C'était Justin, merci et bon visionnement!